notre profession, entre la maçonnerie, entre connaître le végétal, connaître le support de culture, connaître de l'hydraulique, connaître, savoir travailler le bois, savoir l'association végétale. Je dirais que c'est immense les connaissances qu'il faut avoir. Et malheureusement, notre profession n'est pas vue comme ça par le grand public. On nous prend souvent pour des gens qui passent la tondeuse à ramasser des feuilles. Mais la réalité est bien autre. William s'est rentré en apprentissage en 1999. Je suis arrivé dans l'entreprise et j'ai rencontré donc M. Romérol, qui m'a très vite fait confiance. Dès l'apprentissage, il m'a laissé m'investir dans la société. Moi, j'imaginais pas que ce soit mon successeur, ça c'est clair. Mais, je dirais qu'au bout de, très rapidement, au bout de, je dirais, même pas un mois, c'est un garçon qui a montré des capacités auxquelles je ne m'attendais pas, très honnêtement. Faire des devis, déjà, dès l'apprentissage, qui m'a donné beaucoup de temps pour m'apprendre des choses. Le soir, après les chantiers, on faisait des devis ensemble. Oui, j'ai appris avec lui. Alors, il a régulièrement progressé, mais déjà au départ, quand j'ai senti que c'était quelqu'un qui s'investissait, je dirais, à partir du moment, ma réaction a été de lui aider peut-être plus que ce que j'ai pu faire avec d'autres apprentis. Monsieur Romérol a beaucoup me gardé, plutôt que de partir en école d'ingénieur. C'était à réfléchir et j'ai choisi de rester parce que je savais qu'il y avait la possibilité d'évoluer. Donc au bout de quelques mois, j'ai pris la direction du secteur création, puisqu'il m'a demandé de développer ce secteur qui était plutôt anecdotique à l'époque. Et de 6, on est passé à 20, à 23 même. Et puis on fait maintenant 80% de création et 20% d'entretien. Je donne autant de valeur au secteur. Mais voilà, j'ai été amené durant ces années à développer plus cette activité que l'autre. Je l'ai fait participer à plein de choses. On a été voir comment étaient organisés des collègues, etc. Et ça lui a permis, lui aussi, donc, d'acquérir des connaissances. Et petit à petit, effectivement, c'est comme ça que je me suis dit un jour, bon, je crois que tu as trouvé la perle rare pour te succéder. Je ne suis pas senti repreneur tout de suite. Je me suis senti en capacité assez vite de prendre des responsabilités. Ça m'a été donné dès le départ, je pense, dès la première année où j'ai été embauché en CDI. Et ça m'a plu très vite. Donc, le métier, ce poste de direction de ce secteur et d'encadrement. Je dirais que le fait d'être preneur et pérenniser aussi l'entreprise, je l'ai senti après 2-3 ans de travail dans ce poste de direction du secteur création. Et c'est vrai que moi, je me suis senti assez rapidement repreneur potentiel. Après, fallait-il encore qu'on fasse, j'ai la proposition, mais on en a toujours un petit peu parlé. William, c'était prêt. Aujourd'hui, il a les compétences, les capacités, les connaissances. Donc, je dirais, lui, il attendait que ça. Moi, derrière, quelques petits problèmes de santé qui, à un moment donné, se montrent. J'avais beaucoup de choses à apprendre, j'avais beaucoup de choses à développer. Donc, j'ai jamais eu je me suis jamais ennuyé dans mon travail. Il y a tellement longtemps que je pense à la transmission, du fait des difficultés que j'ai pu rencontrer pour mettre en place des équipes, pour les former, pour aujourd'hui on arrive, l'entreprise a une certaine aura, on est reconnu, et ça j'ai pas du tout envie de le détruire, donc je dirais il faut transmettre l'entreprise. La décision s'est faite suite, à un contact avec un intervenant qu'on a fait venir pour évaluer l'entreprise, parce qu'à un moment donné, il faut bien parler argent. Et avec les renseignements qu'il a pu nous donner, que ce soit d'ordre fiscal notamment, effectivement, ça nous a amené à prendre notre décision peut-être un peu plus rapidement qu'on l'aurait prise. Alors, les difficultés dans la phase de transmission, donc j'ai eu déjà, bien sûr, trouvé les financements. Donc, aller voir les banques, pas se faire fermer la porte, mais s'entendre dire qu'il fallait arriver avec un peu plus de moyens que ce que j'avais. Donc après, aller frapper aux portes de Raison Entreprendre,
pour trouver un apport, aux portes d'Oseo pour faire des financements conjoints avec les banques, demander à M. Robérol un crédit vendeur, ce qui m'a octroyé pour m'aider. Trouver quelqu'un qui soit compétent, qui ait la niaque pour être chef d'entreprise et puis qui soit riche, c'est pas forcément facile. On aurait peut-être pu lui céder quelques pas départ avant, ça aurait peut-être aidé, mais je sais pas, j'en suis pas persuadé, parce qu'après, au travers des négociations, aujourd'hui, moi je lui ai accordé un pré-vendeur. Ça a été un peu la façon pour aussi à nous de l'aider. Monsieur Robérol a été très ouvert dès début janvier aux questions, mais surtout j'ai trouvé très. Il m'a laissé prendre ma place tout de suite. C'est-à-dire que je suis arrivé le lundi, le 1er janvier, ça devait être le 7 ou le 8. Je suis arrivé. Pour lui, j'étais le nouveau chef d'entreprise. Mais je suis devenu le salarié de mon repreneur. Hein. Alors est-ce que ça fait drôle, pas drôle, je ne sais pas, c'est surtout les questions que ça fait poser, parce que en tant que chef d'entreprise, on a toujours envie de faire prospérer l'entreprise, mais on le fait à partir de ce que l'on pense soi-même. Sauf qu'à un moment donné, je me suis quand même interrogé, je me suis dit, c'est plus toi qui es chef d'entreprise, donc ton repreneur pense peut-être pas à l'organiser de la même manière pour la faire progresser, toujours pour aller dans le même sens, bien sûr, mais pas de la même manière. Alors pour les salariés, pareil, ils ont toujours, comme moi, su qu'un jour, pensé qu'un jour j'allais reprendre la société. Alors peut-être pas tous, mais pour la plupart, ils le pensaient. Certains ont posé la question il y a un an et deux ans sur l'avenir de l'entreprise. Et c'est vrai qu'ils ont été rassurés de savoir que je reprenne derrière. On a eu toujours un lien assez fort avec eux, tout en sachant aussi montrer que j'étais... que j'ai dirigé, il y a quand même toujours eu ce lien et cette entente, donc ils sont plutôt contents. En début d'année, quand la vente a été faite, j'ai fait la transmission officielle devant les salariés, je dirais, presque, la petite anecdote, c'est que tout le monde a applaudi à la fin, et on a pu voir, déjà même au mois de janvier, les gens qui sont passionnés par leur métier, je dirais ça leur a redonné un peu de, pas un peu, même beaucoup, je pense, de baume au cœur. Maintenant, il faut gérer une entreprise avec tout ce que ça comporte autour. Donc, ça désorganise un petit peu dans son fonctionnement. Donc, il faut réapprendre à travailler, retrouver sa place. Après, je dirais que la cohabitation avec M. Romero, elle se fait en bonne intelligence, c'est toujours respecté. On se respectera toujours, on s'écoute, s'il y a un problème on en parle. Je pense qu'avec du dialogue on résout tout. Alors les conseils que je peux donner, même si c'est toujours difficile de donner des conseils, mais ce que j'en retiens en tout cas, c'est qu'il faut s'y préparer à l'avance. Il faut se faire entourer. Il ne faut pas avoir peur de se faire entourer par des gens qui ont des compétences, qui nous donnent tous les éléments, parce qu'on est avant tout des chefs d'entreprise, mais on n'est pas forcément, que ce soit sur le point de vue fiscal, etc., on n'est pas forcément très compétent là-dessus, et là, il faut se faire entourer. Moi, je n'ai pas craint de passer ma transmission, j'y ai pensé longtemps, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien transmettre, je dirais ce qui me paraît naturel, c'est tout ce que tout ce qu'on a pu faire dans l'entreprise, les uns et les autres, que ça continue. Donc à partir de là, je dirais aujourd'hui pour moi, je suis content, heureux de mon bébé va continuer. Et ça, c'est bien la plus belle chose, je dirais, qui pouvait m'arriver dans cette partie de ma carrière professionnelle.